Bonjour tout le monde. Oh, je te suis, montre-moi le chemin. C'est par là? Savez-vous que le mot otari vient du grec otarion, qui veut dire petite oreille? Le mot dauphin aussi vient du grec delphis, qui lui signifie esprit de la mer. On le doit beaucoup aux Grecs. Les murs ont des oreilles, des petites oreilles, vous voyez? C'est par là? Merci. Avant que vous me posiez la question, je vous réponds oui. C'est de l'eau de mer, reconstituée. Bien, j'espère que vous êtes doué en apnée, car cette conférence risque de vous couper le souffle. Quand elle aura commencé. J'avais prévu de vous montrer des photos sur mon ordinateur. On improvise. Tiens, petit sondage. Quelles sont les personnes qui sont là parce qu'elles ont envie de voir des dauphins ou des otaries? Allez-y, levez la main, les grands, les petits. Formidable. Et quelles sont les personnes qui sont venues parce qu'elles ont entendu parler de mes conférences? Vous avez complètement raison. Vous avez beaucoup plus à apprendre de ces grands dauphins, ces Tursiops trincatus, que de moi. La planète se réchauffe. La banquise est en mode décongélation. Elle fond. Ainsi fond, que les océans montent et que votre morale descend. Eh oui, qu'est-ce qu'on va devenir le jour où on n'aura plus pied? Des mammifères marins. Progressivement, bien sûr, mais notre avenir... il est là, au milieu de nos mammifères marins. Mais attention, deux options. Amphibie, ornote amphibie, telle est la question. Et pour en débattre, accueillons les spécialistes du delphinarium. C'est très gentil pour nos amis soigneurs, mais je voulais parler de vrais spécialistes. Un grand merci à nous évidemment du Otari Club, originaire de Californie, Gonzo et Santo. Donc, vous êtes amphibies. Vous vivez dans l'eau et sur terre. Oui, donc, alors que vous, non. C'est bien ça. C'est bien ça. Et à la question, seriez-vous prêt à cohabiter avec une nouvelle espèce de mammifère marin? Sympathique. Votre réponse est... L'otarie vit dans l'eau et sur terre. Elle est amphibie. Elle est amphibie. Alors que le dauphin... alors que le dauphin est capable de s'aventurer jusqu'au bord des plages pour chasser les bancs de poissons. En les encerclant avec vélocité et rapidité.
ma sacoche. Des vitesses de plus de 40 km/h grâce à son corps puissant et profilé. Le corps puissant et profilé, on l'a, c'est bon. Qu'est-ce qui nous manque? Je vous pose la question. Exactement, des nageoires. Il y a plusieurs tailles, ne vous trompez pas, comme les phoques qui en ont choisi des toutes petites qui les empêchent de marcher. Les limitations du phoque Gonzo, merci. Non, rassurez-vous, vous n'allez pas rentrer. Vous aussi, vous avez des petites oreilles très jolies, on les garde. En revanche, oh sublime mammifère des gradins, votre nez, aussi charmant soit-il, dans l'eau, vous n'en aurez plus besoin. Vos narines vont progressivement remonter vers le haut du crâne, là où se trouve l'évent, la narine par laquelle respire le dauphin. Les otaries, elles, n'ont pas d'évent. Elles sont des sacoches. Je super pouvoir.
un radar qui lui permet de se repérer en visualisant les objets qui l'entourent. Une sacoche, par exemple. Pardon pour ces interférences en pleine conférence, mais il se trouve qu'en plus de mon ordinateur, il y a les clés de la maison à l'intérieur. Petit sondage, quelles sont les personnes qui pourraient m'héberger ce soir ? Oh, sauver ma sacoche. Merci. Merci. Vous êtes bien aimable, monsieur. C'est rassurant pour l'avenir de l'humanité. À l'image de Guama, Bailey, Femke, Beauty, Aya, Cecil et la petite Maya, les humains vivront dans l'eau en parfaite harmonie. Ou pas. Et oui, il ne faut pas rêver. Si vous avez un sale caractère sur Terre, vous aurez un sale caractère dans l'eau. Dauphins et otaries ne vivent pas du tout en parfaite harmonie.